Rameau repense les frontières, notamment musicales tout d'abord, en introduisant dans Hippolytère ici un langage extrêmement expressif, avec une harmonie extrêmement expressive, extrêmement audacieuse, avec un orchestre qui devient un réel personnage, un orchestre qui devient presque un acteur du drame, avec presque une dimension psychologique dans la façon dont l'orchestre accompagne les chanteurs. Rameau invente cette capacité à évoquer. Et l'évocation en musique, la peinture en musique, c'est quelque chose ensuite qui va effectivement ouvrir la voie aux expérimentations de Berlioz, mais aussi jusqu'à Péléas et Mélisande, Debussy, aux grandes pièces pour orchestre de Debussy et de Ravel. Thank you.